you, Lord. Oh, don't you love him this morning? Oh, I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Just turn around as we sing it again and tell your brother and sister that you really love him this morning. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. This morning, we're going to see the King this morning. Let's sing that with all our hearts. Oh, we shall see the King. We shall see the King. We shall see the King when he comes. Yes, he's coming in great power. We'll hail the blessed hour. We shall see the King when he comes. Oh, we shall see the King when it comes. Oh, we shall see the King. Oh, we shall see the King. Oh, we shall see the King when it comes. Oh, he's coming in power. Hail the blessed hour. Oh, we shall see the King when it comes. Sounds good. Oh, we shall see the King. Oh, we shall see the King. We shall see the King when it comes. Oh, he's coming in power to hail the blessed Alpha. Oh, we shall see the King when it comes. Praise God. God be praised. Lord God, we thank you, Father. We praise you. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Praise God. God be praised. God be praised. God be praised. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Well, we're in the middle of a revival. Eh bien, nous sommes au milieu d'un réveil. Amen. Lord, you believe that? Croyez-vous cela? Believe us out this. Crois-tu ceci? Praise God. Gloire à Dieu. Amen. A revival is to revive un réveil, the seed that's already in you. La semence qui est déjà en vous. And we spent years et nous avons passé des années putting them seeds in you. À mettre ces semences en and vous. Now the hour is et maintenant l'heure est arrivée for the fire pour que le feu to fall upon the seeds tombe sur les semences that's already in you. Qui sont déjà en vous. Amen. Amen.
We're happy to have our Pamela, Sister Pamela Westco here. Amen. God bless Pamela Westco ici. In the back over here, God bless you, Pamela, and her. With her is Gina Duff, all the way from West Palm Beach. Gina Duff. Amen. Qui vient de so West Palm Beach. Certainly praise God. And amen. You appreciate the singing of the young people and Brother Belomo. Si vous avez apprécié le chant amen. Des jeunes et Frère Belomo. Amen. And we have a young man that was recently come among us and he's been baptized in the Lord Jesus Christ. And he happens to have been a friend temps, of Brother Tom Wing. And un ami de Frère Tom Wing. He stayed around the house long enough to cast an eye at Sister Mala. Et puis il est resté amen, assez longtemps Steve, pour jeter un œil sur une sœur de l'église ici et il est venu et il m'a dit qu'il voulait officiellement amen. Annoncer well, à l'église qu'ils sont en phase 2. Well, bien, gloire à Dieu. So we... Hallelujah, praise God. Amen. So praise God, we thank the Lord for that. Nous remercions le Seigneur now, pour cela. Now I'd like to take you straight to the Word. Vous emmener directement dans la parole. Praise God, there's something about gloire going Dieu. To the Word il y a quelque chose au sujet du fait d'aller dans la parole de Dieu. Gloom disappears. Alors, amen, les ténèbres Courtney. Disparaissent. Praise amen, God. Frère Courtney. Then you get on to the Word. Alors, vous entrez dans then la parole. The atmosphere falls. Alors, l'atmosphère descend. Then, things that you're looking for from God alors, les choses que vous attendez place. De Dieu commencent à arriver. Sur la parole. Maintenant, nous sommes dans le réveil. Gloire à Dieu. Et il me semble que nous ferions bien de rester dans Genèse. J'invite donc votre attention dans Genèse chapitre 12. And so we'll be speaking. I will anyway be speaking about Abraham. Parler d'Abraham. So, and from now, I believe until Tulsa. Et à partir de maintenant jusqu'à Tulsa, vous feriez aussi bien de lire le livre de la Genèse pour savoir ce dont je parle. Et Frère Robledo l'a repris le 22 mai et il est revenu avec un temps et un temps fixé. Ainsi, si vous avez une compréhension, ceci est le temps fixé pour quelqu'un ici aujourd'hui. And the next time, Wednesday, whatever, somebody et, Wednesday. Mercredi, this quelqu'un is your d'autre. Time. Ceci est votre temps fixé. You've been marking time around vous avez that mountain long enough. Marqué le temps turn autour de cette northward. Montagne suffisamment praise longtemps. God. Tournez-vous vers le nord. Gloire amen. À Dieu. He told us to march, not mark time. Il vous a dit de marcher, pas de marquer right? le temps, n'est-ce pas juste? Amen. Amen. Company up. Compagnie, praise en avant God, marche. En avant. Amen. Anyway, Genesis 12. Genèse 12. Now the Lord had said unto Abram, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ne voulez-vous pas être une bénédiction pour quelqu'un? Toute la semence d'Abraham est censée être une bénédiction, pas une malédiction et méchant et vulgaire, mais non, une bénédiction. Oh, praise God. Oh, gloire à Dieu. Yeah, amen. Amen. Let the church say amen. Que l'église dise amen. Glory to God. I know a place. Je connais un endroit. Praise God. Gloire à Dieu. If you ever get to that et si jamais vous arrivez place, à cet endroit, same, vous ne serez God. Plus le même. Gloire à Dieu. Amen. I invite you to that place this morning. Je vous invite dans cet endroit young ce matin. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés God. Et entrez. Gloire à Dieu. And I will bless them that bless thee, et and curse him that curses thee. See, why don't worry about what they say? Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Voyez-vous, praise tout ce qui God. Se passe avec they ceux qui maudissent, leur malédiction retourne sur eux. J'envoie une bénédiction, ils envoient une malédiction, ça se rencontre. Ma bénédiction revient vers moi, et leur malédiction retourne sur eux. Voici, c'est ainsi, vous récoltez ce que vous semez, vous ne pouvez pas le contourner. Ainsi, vous feriez aussi bien de dire quelque chose de gentil, dire quelque chose d'aimable, un bon rapport. Nous sommes dans la Bible. Gloire à Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 15.
After these things, Lord, 13 and 14, Lot backsliding around and then got trapped by the kings down and so forth. But we'll skip over here for a great thing that takes place here. Quelque chose de grand qui arrive ici. Amen. Oui, amen. Oh, praise God. After these things, the word of the Lord came unto Abram. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, cet Éliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, thou hast given no seed. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Maintenant regardez, Abraham lui confiance, il crut en l'Éternel et il lui imputa la justice. Et vous avez cru le message de Malachi 4 pendant toutes ces années et Dieu vous l'a imputé à justice, non pas les sensations et ce que vous ressentez, les tremblements, mais vous avez cru le message. Gloire à Dieu. Amen. That's the righteousness. Voilà la justice. Now the hour has come. Maintenant l'heure est arrivée pour que les critiques disent, montre-moi tes œuvres, ta foi par tes œuvres. Eh bien, le temps fixé est arrivé maintenant. Jacques, montre-moi ta foi par tes œuvres. Eh bien, ils vont mettre Dieu au défi, mais Dieu les a appelés croyants par la parole, pas par les sensations comme les pentecôtistes. Mais avec une promesse, je te visiterai au temps fixé, au temps de la vie. Allons, groupe O, soyez vivants, gloire à Dieu, et que vos yeux s'illuminent. Ne soyez pas tout en ténébrés en train de regarder. Amen. Amen. That's it. Voilà, n'ayez pas peur de dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. You don't feel glorious. Le diable dit, oh, tu ne te sens pas bien ce matin. Si, je me sens bien, démon. Gloire à Dieu. Tu sais ce que tu as dit et toutes ces choses. Et tu sais que tu t'es disputé avec ton mari. Eh bien, peu importe, continue, va de l'avant. Amen. Ou tu as fait des histoires avec ta fille en lui disant qu'elle prenait trop de temps pour ses cheveux. Allons, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Galatians 3:16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence, non pas ses semences, mais à sa semence. And to thy seed, which mais il s'agit de plusieurs, Christ. Mais il s'agit d'une seule. Et sa semence, c'est-à-dire Christ. Et si nous pouvons faire entrer Christ dans les gens, je veux dire le Christ loin, alors oubliez. Toutes les promesses leur appartiennent, toutes les portes vous appartiennent. Voilà pourquoi j'essaie de vous amener au baptême du Saint-Esprit, afin que la semence, Christ, soit en vous. Got it now? Vous avez saisi maintenant? We'll skip over to verse 26. Nous passons au verset 26, car vous êtes tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous comprenez maintenant? Vous avez un petit germe là. Et ce petit germe a été vivifié lorsqu'il est venu à la lumière. Et vous avez cru. Et Dieu vous a testé. Mais maintenant, vous voulez que cette semence soit activée, énergétisée. Alors, lorsque cette semence est activée, lorsqu'elle reçoit l'énergie, lorsqu'elle est ointe, alors elle devient Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, tout vous appartient, gloire à Dieu. Alors, il n'y a plus d'espoir. Peut-être qu'il va le faire aujourd'hui. Peut-être que je serai guéri. Dieu l'a dit. Ainsi, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous le devez. Je vous y contrains, gloire à Dieu, c'est nécessaire. Sinon, vous ne faites que flotter.
Avant de prier à Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se déverse sur les gens maintenant, Seigneur. Et souviens-toi de frère Christopher. Alors qu'il est là à Long Island, sois avec lui, Seigneur. Donne-lui la sagesse et les mots pour redire ce qu'il doit dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Père, déverse-toi ici ce matin et remplis ces gens du Saint-Esprit et de feu. Et souviens-toi de notre frère Dennis, Seigneur, qui est à l'hôpital avec la fièvre. Et cette fièvre est retombée après la prière d'hier soir. Puisse-t-il sortir de l'hôpital, gloire à Dieu, alors que nous sommes ici aujourd'hui et nous envoyons la parole du Seigneur là. Puissions-nous le voir vivant dans peu de jours. Arrière, Satan, tu ne peux pas l'avoir. Maintenant, oins-moi, Père, comme jamais auparavant. Et que ceci soit un jour glorieux. Que le feu tombe aujourd'hui. Et que le feu tombe aussi cet après-midi sur les gens. Dans le nom de Jésus, reçois la gloire pour ton Saint-Fils Jésus. En étendant ta main et en scellant les gens et en guérissant les gens, nous prendrons soin de te donner la louange, l'honneur et la gloire. Car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Et maintenant, vous êtes vivant dans le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas mort. Gloire à Dieu. Vous êtes loin. Alléluia. I have a title, j'ai un titre, the confirmation, la confirmation of the royal seed coming, de l'alliance de la semence royale. And I have some context, I'll come back to later. Et j'ai un contexte auquel je vais revenir dans Genèse 15, au sujet du sacrifice avec les tourtereaux et les colombes, et je lirai un peu plus tard. Maintenant, mon inspiration est, la manifestation sera l'interprétation. Maintenant, pendant ces quelques semaines, nous nous attendons à un réveil de l'Esprit. Il y a 5 ans, jour pour jour, j'ai prêché Joseph Perfection et frère Avacio Robledo l'a saisi. Alors il est revenu pour son baptême de feu le mercredi soir, le 8 juin, et son message était la charité, l'absolue de l'épouse. Et alors qu'il était en formation, alors qu'il prononçait ses propres paroles, le Saint-Esprit est tombé sur lui ici même et l'a baptisé dans le corps. Et maintenant, il est vivant en Jésus-Christ. Eh bien, c'est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi ne peut-il pas revenir aujourd'hui, 5 ans plus tard, et vous baptiser du Saint-Esprit? Et à partir de ce temps-là, cela va se déverser à... Ça s'est déversé à Fort Wayne et dans le monde entier. Les gens ont été scellés et remplis du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui, et pour toujours. Et le même Saint-Esprit est ici aujourd'hui. Et il veut faire la même chose pour vous, si tu peux seulement croire, si vous pouvez croire. Oh, gloire à Dieu. Ainsi donc, vous pouvez vous asseoir. Nous attendons à l'éclatement du Saint-Esprit pour qu'il réveille des sept tonnerres, se déverse, pour que cela se déverse, tout comme les oies s'envolent vers le sud, de cela qu'ils s'envolent vers le riz. Alléluia. Quoi que ce soit, peu importe, alléluia. Nous déversons. Oh, alléluia pour la gloire. Dans Paul le prisonnier, page 1, paragraphe 2, frère Branham, la prière dit ici, nous te remercions pour les gens ici qui commencent à trouver la foi et savent ce que la foi signifie. Et nous te remercions pour des réunions qui sont devant nous en le croyant par la foi. Ainsi, nous remercions Dieu pour mercredi, dimanche, où quelqu'un va être scellé. Ne faites pas d'erreur à ce sujet, gloire à Dieu. Ceci est le réveil. Et il accourt maintenant. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous avons commencé il y a 5 ans et c'est de la même manière. 5 ans plus tard, nous ne faisons que marquer le temps. Vous dites comment les choses reviennent de la même manière. Avez-vous remarqué comment cela revient de la même manière qu'il y a 5 ans?
You may be seated. No, we're thanking you for services yet ahead. Nous te remercions pour les réunions qui viennent. En croyant que tu vas faire quelque chose, Seigneur, nous attendons avec anticipation, comme dans les jours anciens, comme dans la chambre haute, en croyant que le temps est proche où tu vas élever les fenêtres du ciel et déverser les promesses que Dieu a promises pour ces derniers jours. Déverser quoi? Déverser les promesses. Et la semence d'Abraham fait quoi? Elle croit les promesses. Dieu, tu as promis, Père, tu as promis. Et ils ne chancellent pas par incrédulité, mais ils sont forts dans la gloire à Dieu. Nous avons des sœurs ici avec le Saint-Esprit qui sont debout, qui prient pour leur mari. Gloire à Dieu. Et ils reviendront, sœurs, et ils seront remplis. Gloire à Dieu. Amen. Frère Gary, il ne reste pas beaucoup de temps, Frère Gary. Gloire à Dieu. Tu peux faire que ceci soit la dernière fois. Ça dépend de toi. Tu es sous le libre arbitre. Tu peux prendre ces drogues ou bien tu peux prendre Christ. Gloire à Dieu. Mais si jamais tu reçois une dose de Christ, alléluia, ce sera terminé. Gloire à Dieu. Amen. Pouvez vous asseoir. Ainsi, nous attendons à la confirmation de l'alliance de la semence royale par toi, par la dynamique sur la mécanique. Genèse 18, 10, 14, la confirmation de l'alliance. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Au temps fixé, comme Frère Robledo nous l'a rapporté, je reviendrai vers toi. Voyez-vous, ceci doit revenir vers vous, c'est une promesse. Au temps de la vie, et Sarah aura un fils. Je me souviens étant là à Porto Rico en février 1982, et j'étais là, et il est revenu dans une route poussiéreuse et il a vivifié cette promesse pour moi, parce que je sais que ça doit être ainsi. Cela doit être. Dieu lui-même l'a parlé. Elohim, il est descendu dans un prophète. Il a dit, je reviendrai à toi, Sarah. Les gens ne savaient même pas. Ils mettent l'accent. Ils ne savent pas où mettre l'accent sur les promesses. Et vous savez où sont les promesses? Les promesses sont la puissance des résurrections qui vient sur le corps de Sarah pour reproduire Christ à nouveau dans la chair. Une reproduction, un chef-d'œuvre, gloire à Dieu. Amen. Amen. Au temps de la vie, Sarah aura un fils, voyez-vous. Dieu a promis, selon Malachie 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse 10, 3, Elohim, dans la peau humaine, va se manifester dans la chair humaine. À qui? À la semence d'Abraham. À la semence d'Abraham. Pourquoi? Pour confirmer l'alliance et pour faire les mêmes choses qu'il a faites dans Genèse 18. Oh là là, il a donné la promesse à Abraham dans Genèse 12 et il est revenu dans Genèse 18 pour lui confirmer. Il vous a donné la même promesse. Gloire à Dieu. Il revient dans Malachie 4 pour le confirmer. Yes, sir. Oui, monsieur. Now his corporal body cannot maintenant, son corps physique ne peut pas faire cela. Mais, voyez-vous, et ils ne le verront Amen. Pas, mais nous le verrons. But his spirit is mais son esprit est ici, voilà ce dont je parle maintenant. Comprenez-vous maintenant? Faites-moi une faveur, lisez Jéhovah Jireh et relisez cela parce que c'est là où je suis maintenant même et j'enseigne, je prêche à partir de là. Jéhovah Jireh, le Seigneur est capable de pourvoir un sacrifice pour lui ce matin, peu importe ce qui vous est arrivé, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Okay, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, partie première, page 25. Amen. Now his paragraph 188. Paragraphe 188. Maintenant, son corps physique ne peut pas le faire. Lorsque cela arrive, le temps est terminé. Comme un éclair vient de l'est vers l'ouest, ainsi le Fils de l'homme, mais son esprit. Voyez-vous comment cela est arrivé au travers de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, directement dans le temps de l'enlèvement, pour préparer l'Église, juste exactement comme il a promis, juste exactement comme les âges de l'Église sont alignés. Et nous avons vu cela. Tout est directement arrive là. Alléluia. Et maintenant, directement dans le temps de l'enlèvement, oh, gloire à Dieu, pour préparer l'Église. Page 26, il dit. Amen. Paragraph 195. Paragraph 195. Et souvenez-vous la dernière chose. Luther Wesley, les pentecôtistes, maintenant la dernière chose. C'est sa présence divine. La parole elle-même. Vous avez saisi? Il est la parole. La tête, la parole vient vers le corps. Quand ce matin, gloire à Dieu.
Croyez-vous cela? Il vient dans quel corps? Dans votre corps. Pourquoi? Pour un baptême de feu, gloire à Dieu. Pour vous guérir, quoi que ce soit, il vient dans le corps. Et alors, cette parole dans Hébreux, chapitre 4, dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Elle ramène directement au début des prophètes jusqu'à Jésus-Christ. Et ne voyez-vous pas si c'est la même chose? La même chose, il est connu comme étant le Messie. En gloire à Dieu. Et le Messie signifie la parole ointe. Now is not the same. Maintenant, not some man. Ce n'est pas un homme. Messiah is the Holy Spirit. Messie, le Saint-Esprit. And the prophet said he would introduce us to the Messiah. Qu'il allait nous présenter au Messie. Messiah is anointed. Le Messie est la parole ointe. And then anointed word come with la parole ointe. Promise of dynamics. Vient avec la promesse ointe de la dynamique. Un cri. La présentation de la parole. La voix de l'archange. Le Messie. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Then you become Messiah. Alors vous devenez des messiettes. On the earth. Sur la terre. Shaking the earth, praise God. En train de secouer la terre, gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu, amen. Now it's not some man, his Messiah, the Holy Spirit. Ce n'est pas un homme, c'est le Messie, le Saint-Esprit est le Messie. Christ et le Saint-Esprit sont la même chose. Qui est Christ? Christ est la parole ointe. Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Jésus. Vous voyez Paul parler de Christ et bien il parle de la parole ointe. Irénée, Paul, ils avaient la parole ointe. Columba, Luther, Wesley, la parole ointe. Amen. Les pentecôtistes avaient la parole ointe. But all of a sudden, son et tout à coup, le fils de l'homme Elohim est descendu dans une peau. Gloire à Dieu. Messiah. Le Messie. Christ, Christ, la parole ointe dans le prophète. Elohim, Dieu lui-même, parlant les promesses pour toi, Sarah, revenant pour confirmer la promesse pour la semence royale d'Abraham. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Je confirmerai cette promesse. Soyez encouragés, semences d'Abraham, gloire à Dieu. Les 25 ans sont écoulés et vous n'avez pas chancelé par incrédulité, mais vous avez été forts, donnant gloire à Dieu. Nous sommes là, dans cette saison, dans ce temps-là. Comment pouvez-vous être découragé maintenant? Alléluia. C'est le temps d'être encouragé, pas découragé. Oh, alléluia. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, le Messie, Christ. Et les messies sont la même chose, voyez-vous. Cela agit maintenant dans la chair, préparant le corps pour la grâce de l'enlèvement. Croyez-vous, croyez-le, les amis, dit-il. Pour préparer nos corps. Alléluia. Vous amenez la parole. Vous faites sortir la parole, vous amenez la parole. Et cela fait sortir le monde. Alléluia, cela change votre pensée, cela vous change, vous transforme de gloire en gloire. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, béni soit le nom du Seigneur. Le même Dieu qui est tombé le jour de la Pentecôte est ici ce matin. Gloire à Dieu, déversant Kinos, il se déverse lui-même. Je sais ce dont je parle. Oh, alléluia. Nous sommes directement dans le temps de l'enlèvement. Le Messie est ici. Amen. Pouvez-vous asseoir. Donnez-moi un signe, frère Coleman. Le 1er juin, mercredi soir, nous avons eu un signe. Alléluia. Je suis entré là et je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Bellemont essaie de prêcher et puis il y avait un mur là. L'Esprit dit, qu'est-ce que tu fais là? Le pauvre là était là, il était blanc comme un linge, il ne savait pas ce qui se passait, je savais ce qui se passait. Je sais qu'il y a des Philistins ici, gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'heure est arrivée pour prendre votre position. Je suis dans ma position, frère Robledo est dans sa position. Nous sommes dans le quintuple ministère. Et nous avons la puissance pour abattre tous les Philistins, gloire à Dieu. Amen. Pour vous nettoyer la peau, alléluia. Pour les faire s'en aller dans la mer, pour chasser le diable de vous. Gloire à Dieu, amen. Voilà la muraille qui se trouve devant toi, frère. Mais cette muraille est abattue maintenant. Il y a des grandes murailles de Chine et autre chose. Mais cette montagne disparaîtra. Cette montagne disparaîtra. Cette montagne deviendra une plaine. Gloire à Dieu. Ni par force, ni puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Fire.
Le feu, gloire à Dieu. Gloire. May be seated, praise God. Yes, sir. Amen. So they were kind of dead in here. Ainsi, il semblait mort ici. J'étais là derrière. Le Saint-Esprit m'a dit, va à la chair. Je n'avais pas de Bible, rien du tout. Je commençais à parler aux gens et le Saint-Esprit est venu. Il dit, maintenant, peut-être que nous pourrions avoir une réunion de prière après. Combien étaient là, mercredi soir? Eh bien alors, gloire à Dieu, il y en a assez ici pour amener le Saint-Esprit. Vous étiez ici mercredi? Vous devriez déjà être scellé, gloire à Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit était là mercredi soir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. So then we went downstairs. Ainsi nous sommes allés en bas et Sœur Stringfellow est tombée. Amen. And here's her testimony. Et voici son témoignage. Mercredi soir, après la réunion, dans le sous-sol de l'église, je suis tombé. Quelle bénédiction. Malgré le fait que ma tête ait heurté la porte, je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Mais l'Esprit du Seigneur était là pour, comme un coussin pour moi. Alors que j'étais étendu, je pouvais sentir le Saint-Esprit autour de moi, me protégeant. Quelle glorieuse expérience cela a été. Après la prière de Frère Robledo Ferron, vraiment, j'étais là en haut. J'étais en train de donner une consultation à quelqu'un et puis je pensais qu'ils étaient partis. J'étais prêt à rentrer à la maison, j'étais très fatigué. J'étais venu juste pour voir ces personnes. Et puis, je me suis senti poussé à venir ici mercredi soir. J'ai dit, tu dois aller. Alors je suis venu dans le sous-sol et il y avait plein de gens. Je suis allé là, ils avaient déjà prié. Le Seigneur, ils ont déjà prié. Il m'a dit, prie à nouveau. Gloire à Dieu. Et Frère Coleman priait. Et alors que Frère Coleman priait, il a dit que ceci pouvait commencer un réveil. Est-ce que c'est arrivé? À ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Et quelle bénédiction cela fut. Tous ceux qui étaient restés là après la réunion, je remercie le Seigneur parce que j'étais là. Gloire à Dieu, merci pour vos prières, Sœur Stringfellow. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Le 9 février 1986, leur sœur Stringfellow est arrivée ici et que Frère Robledo a pris son bras. Le feu est tombé. Que s'est-il passé? Gloire à Dieu. C'était la vertu puissance pour le service. Que s'est-il passé mercredi soir lorsque sœur Stringfellow est tombée à nouveau et que le feu est descendu? Gloire à Dieu. Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui se passe ici? Gloire à Dieu. Le feu est ici maintenant même. Le baptême du Saint-Esprit est ici maintenant. 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 Praise God. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God, amen. Gloire à Dieu, amen. And I was walking up and down, and I said, et alors que je marchais là, je ne devais pas permettre que ça continue comme ça. Quelque chose se passe ici. Que ceci soit pour un signe, gloire à Dieu. Et ainsi, c'est pour un signe que le Saint-Esprit est là. Pas pour vous permettre pour que vous ne veniez plus ici aucun jour de votre vie. Ne venez plus jamais ici, gloire à Dieu, avec votre tête. Basse, gloire à Dieu, mais levez les yeux car votre rédemption approche. Pourquoi avoir l'air abattu, gloire à Dieu? Levez les yeux, parce que votre rédemption approche. Vous avez tout pour vivre, tout pour espérer. Le monde est terminé, mais gloire à Dieu. Vous êtes la semence d'Abraham. Vous êtes la semence royale d'Abraham, gloire à Dieu. Et vous pouvez regarder jusqu'à la pyramide, la cité. Quel démon va vous arrêter, gloire à Dieu? Aucun démon ne peut vous arrêter. Aucun démon ne peut vous arrêter, gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. That very same spirit, praise le même esprit, gloire à Dieu, qui était sur l'église apostolique, était sur Malachie 4. Il est ici maintenant au temps fixé, selon la promesse de ce jour, pour confirmer l'alliance par la dynamique sur votre mécanique. Gloire à Dieu. Pouvez-vous asseoir? Je dis que l'Esprit de Dieu, le même esprit, non pas une portion luthère ou Wesley Pentecôtiste, mais son esprit même qui est tombé le jour de la Pentecôte, gloire à Dieu, qui a mis cet endroit en feu, cet esprit d'ici ce matin. C'est ça, vous pouvez être scellé, vous pouvez être guéri. Glory to God, amen. Gloire à Dieu, amen. Amen, according to amen.
Ainsi l'Esprit de Dieu déverse son esprit sur Sarah au temps fixé. Selon le message de Frère Robledo, le temps est le temps fixé. Mercredi soir, le Saint-Esprit a permis cela pour prouver que sa présence divine est ici, pour vous donner le baptême de feu pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit. Oh, gloire à Dieu! Que s'est-il passé au mois d'octobre, au temps du Yom Kippour? Ils ont soufflé la corne en Israël. C'était le commencement de l'année jubilée. Et l'année passée, au Porto Rico, j'avais prêché en dehors de saison. J'étais en train de prophétiser à Porto Rico le jubilé du septième sceau. Et ça commence maintenant. J'ai prophétisé à Porto Rico. Mais ceci est le réveil du jubilé maintenant. Nous y sommes maintenant même. Oh, hallelujah. Comprenez-vous cela? Depuis octobre 87 jusqu'à novembre 88, c'est le jubilé. C'est le jubilé où tous les captifs s'en iront libres. Womp, womp, womp. Je n'ai plus besoin de fumer des cigarettes. Je n'ai plus besoin du crack à mes frères Gary. Je n'ai plus besoin des drogues. Je suis libre, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ceci est le jubilé, gloire à Dieu, où tous les captifs s'en vont libres. Alléluia. Satan, ouvre les cages de prison. Laisse partir mon peuple. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, gloire à Dieu. Démons, laissez partir le peuple de Dieu ce matin. Ils sont libres. Celui que le Fils de l'homme a franchi, gloire à Dieu, sont véritablement libres. Alléluia. Le peuple de Dieu est libre ce matin. Le Saint-Esprit et le feu sont ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, remplis-les. Scelle-les. Réemplis-les. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire. Vous voyez, le sentez. Il est ici. Quel démon peut l'arrêter? Le feu est ici. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Satan, laisse aller mon peuple, dit le Saint-Esprit. Fais-les sortir des prisons, les démons de sexe, des fumeurs, la convoitise. Ici ce matin et après-midi, vous êtes libres. Pervers, démons de perversion et tout le reste, peu importe ce que c'est. Gloire à Dieu. Les portes de la prison sont ouvertes. Ceci est le jubilé où tous les captifs peuvent partir libres. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tout soit établi par la bouche de deux ou trois témoins. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, hallelujah, praise oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Yes, sir. Oh, hallelujah. You believe he's here now? Croyez-vous qu'il est ici maintenant? Yay, yay. The prison doors is opening up. Praise God. Les portes des prisons sont en train de s'ouvrir et le peuple de Dieu est en train de sortir. Oh, hallelujah. Que Dieu soit loué. C'est la confirmation de l'alliance. À la semence royale, Dieu est en train de confirmer son alliance. Gloire à Dieu. On the 50th day Easter, what happened in le 50e jour à Pâques. Qu'est-il arrivé à New York City? Qu'est-il arrivé? Le 22 mai, le Saint-Esprit m'a dit que je devais prêcher deux messages. Il m'a dit de dire à Frère Paul Griffin de préparer les chanteurs. Je ne sais pas ce qui allait se passer. J'imaginais un déversement du Saint-Esprit. Et il m'avait dit de prêcher la manifestation du Saint-Esprit de feu et de la pierre de fer. Et là, de libérer les gens. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Et je suis revenu au soir à la manifestation de la dernière pluie comme dynamique. Et là, libérer les gens. Et vous continuez de regarder les regards devant vous. Est-ce que ça va arriver? Cela va arriver. Cela va arriver. Et c'est arrivé. Est-ce que vous êtes gelé? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Alors j'avais déjà dit à Frère Robledo qu'il devait prêcher le mercredi soir. Et il est venu là, gloire à Dieu, avec le temps fixé, pour dire aux gens, ceci est le temps fixé, que tout soit établi dans la bouche de deux ou trois témoins. Il était là, mercredi et dimanche, vous êtes libres.
C'est le jubilé. Alléluia. Votre famille est libre. Vos maris sont libres. Les enfants sont libres. C'est l'année du jubilé. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, déverse le Saint-Esprit, Père. Musiciens, venez. Le Saint-Esprit est ici. Je ne peux plus prêcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est ici. Que Dieu soit loué. Seigneur, envoie le Saint-Esprit et le feu, Père. Scelle-les, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Frère Robledo, louez son nom. Merci, Jésus. Seigneur, encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Envoie le feu. Envoie le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Glory. Glory, glory, Alléluia. Glory. Alléluia. Go ahead and praise him. Hallelujah. Gloire à Dieu. Louez-le. Oh, yes, Lord. Oui, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. 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 Yes, my God. Yes. Yes, yes. Yes. Hallelujah. Glory. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Oh, thank you, Lamb of God. Merci, hallelujah. Agneau de Dieu. Oh, glory, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Merci, thank Seigneur. Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Do you feel free? Est-ce que vous sentez libre? Amen. Elohim himself come down this morning. Elohim lui-même est descendu ce matin. Ceci est Dieu qui confirme son alliance. You can't doubt it anymore. Vous ne pouvez plus douter. Vous savez qu'il est ici. Il est ici. Au temps fixé. Ceci est le temps fixé. Ceci est votre jour pour être rempli. C'est votre jour. C'est votre jour. C'est votre jour. Glory. Glory. Hallelujah. Glory to God. Oh my God. Glory. Glory. Keep praising him. Continuez de le louer. Alléluia. Dites, Seigneur Dieu, viens ici. Seigneur, viens ici. Seigneur, viens ici. Seigneur, viens ici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. He said he would come back. Amen. Il a dit qu'il reviendrait. Il a promis de revenir. Et il est ici. La dynamique sera mécanique. Il ne vous abandonnera jamais. Sarah, don't doubt it, Sarah. Sarah, ne doute pas. Ne doute pas, Sarah. Ne doute plus. C'est la présence de Dieu que tu as attendue depuis si longtemps. Somebody's praying, Lord. Come by here. Somebody's praying, Lord. Somebody's praying, Lord.
rentrée. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne pourriez pas être rempli maintenant même. C'est Dieu qui confirme son alliance. Alléluia. Il a dit qu'il reviendrait au temps fixé. Hallelujah. Et il est venu ce matin. Oh oui. Il est descendu ce matin. Il est ici. Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Entrez simplement dans l'Esprit maintenant. Vous pouvez sortir de ce bâtiment en étant scellé. Au balcon, vous pouvez sortir d'ici en étant scellé. Au sous-sol, vous pouvez sortir d'ici en étant scellé. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons, il est encore tôt. Allons-y. La réunion ne fait que commencer. Dieu veut s'occuper de vous individuellement. Il a un rendez-vous personnel avec vous. Vous ne pouvez pas douter. Il est ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le voulez? Alléluia. Quelqu'un prie, Seigneur. Somebody's praying, Lord. Oh Lord, come by. Somebody's praying, Lord. Come by. Somebody's praying, Lord. Jésus passe près de vous. Jésus passe tout près. Vous avez attendu assez longtemps. Il est ici ce matin. Hallelujah. Glory to God. He's walking from pew to pew. Il passe d'allée en allée. If you want him, you can have him. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Glory. Somebody's praying, Lord, come by here. Somebody. Fermez les yeux et regardez à Jésus. Fermez les yeux et regardez à Jésus. Dis Jésus, fils de David. Viens, viens vers moi, Seigneur. Yes, Lord. Glory.
he's praying, Lord, come by here. Somebody's praying, Lord, come by here. Somebody's praying, Lord, come by here. Oh, Lord, come by here. Glory! He's praying, Lord, come by here. Hallelujah! Glory! Oh, praise God! Le Saint-Esprit est ici. Croyez-vous cela? He's not coming, he's here. Il ne vient pas, il est là. He's right here, right now. Il est ici même, maintenant même. Pour vous baptiser du Saint-Esprit et le feu. Il est ici maintenant même. Pour la confirmation de l'alliance, de la semence royale. Et une manifestation, la manifestation et l'interprétation. Gloire à Dieu. Lorsque l'amour s'élance, la grâce souveraine prend le relais. Et si vos péchés sont comme les cramoisis, peu importe ce que vous avez fait, alléluia. La grâce est ici. La grâce, grâce à la pierre de fête. Oui, sœur Carole, crie. Seigneur Dieu, déverse la plénitude dans ma sœur. Alléluia. Saisisse la foi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. À nouveau, 83. Oh, Seigneur, viens ici. Hallelujah. Yes, sir. People are being filled. Les gens sont en train d'être remplis. Les gens sont en train d'être réemplis. Les gens sont en train d'être guéris. En train d'être libérés. Au balcon. Gloire à Dieu. Yes, sir. If you are predestinated, si vous êtes prédestiné, rien ne peut vous arrêter. Alléluia. Peu importe que vous soyez un musulman ou un hindou, un bouddhiste. Praise God. Hallelujah. Nothing will stop God's people. Rien n'arrêtera le peuple de Dieu. This is your day. Frère Tony, ceci est ton jour. Que cela ne passe pas loin de toi, frère. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Can't stop. Il ne peut pas m'arrêter. Il est ici. The revival is here. Le réveil est ici. Glory. Gloire à Dieu. Hallelujah. See what happened to Thomas Wednesday night? Tu vois ce qui est arrivé mercredi soir, Thomas? C'est ici. Oh, just think. It started right here in New York City. Ça a commencé ici même à New York City. Et cela va se déverser. Glory. Gloire à Dieu. Haven't even spoke 35 minutes yet. Je n'ai même pas parlé 35 minutes. Ce n'est pas nécessaire. Le Saint-Esprit était avant moi. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur la parole. C'est ainsi que les enfants sont nés de nouveau. Parlez la parole. Et le feu tombe sur la parole. Gloire à Dieu. Je le sens dans mes os. Yes. Oh, it feels good. Oh, je me sens bien. It feels good. Oh, hallelujah. It's not just the music. Ce n'est pas simplement une musique, mais c'est une onction. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. Your feet can't stay still. Vos pieds ne peuvent pas rester tranquilles. Your hands have got to clap. Vos mains doivent frapper. Hallelujah. Dans la présence de Dieu. Glory, glory, glory. Gloire à Dieu. Le prophète de Dieu a dit, dans l'amour s'élance, continuez à crier. Alléluia, vous êtes dans l'esprit du jour du Seigneur. Ce qu'il nous faut, c'est un brisement. Sans simplement dire, vous l'aimez, mais aimez-le de votre cœur. J'ai vu l'amour conquérir tous les démons, même des bêtes sauvages. Et le diable vous fera prouver chaque pouce de terrain que vous réclamez. Mais si vous l'aimez, il n'y a pas de crainte. Alléluia. Vous l'aimez, il n'y a pas de crainte. Parce qu'il y a un temps fixé.
Peu importe la situation de vos enfants, de votre mari ou de votre femme, n'ayez pas de crainte. Vous l'aimez. Alléluia. Vous êtes la semence royale Abraham. Il y a un temps fixé. Arrière Satan. Alléluia. La semence d'Abraham ne chancelle pas par incrédulité. Ils sont déterminés. Alléluia. Ils seront scellés. Ils seront guéris. Alléluia. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Woo. Praise God. Oh, hallelujah, praise God. This is love of God falling down. C'est l'amour de Dieu qui descend. With the Holy Ghost and fire. En train de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Don't worry, sis, a pet. Ne t'inquiète pas, sœur Pat. We believe it. Tout ira bien. Nous le croyons. Hallelujah, praise God. Hallelujah. If you love him, there's no fear. Si vous l'aimez, il n'y a pas de crainte. Ce qu'il faut, c'est un brisement. Laissez vos fardeaux, être en ordre avec Dieu. Vous avez besoin d'un brisement. Déposez vos fardeaux. Vous devez avoir un brisement avant d'être chargé. Nous devons abattre tous les différents et entrer dans l'esprit. Avant que le réveil puisse éclater. Et le réveil est ici maintenant. Le réveil des sept tonnerres. Alléluia. Satan, ôte tes mains de ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, libère-la de tout esprit qui la tient. Ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est en train de délivrer cette jeune femme. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à son merveilleux nom. Alléluia. Oh, my. Alléluia. Le prophète de Dieu a dit, Dieu envoie un réveil et vous serez coupable si vous ne plongez pas dedans, si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez. Et nous sommes là à New York City le 5 juin 1988. 5 années plus tard, après Joseph Perfection, l'inspiration des sept tonnerres. C'est notre responsabilité d'amener le réveil des sept tonnerres à New York City. Et gloire à Dieu. Dieu ne faillit pas, il est là au temps fixé. Ici en 1988, beaucoup vont être scellés. Beaucoup seront guéris. Alléluia. Les portes des prisons s'ouvrent. Sœur Sally, ça peut être ton jour. Oh, Alléluia. My. This is the everlasting covenant. Ceci est l'alliance éternelle. Glory. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. Oh my God. Oh mon Dieu. My God. God's covenant. L'alliance de Dieu. Une partie est la parole, le caractère, l'autre est le Saint-Esprit, comme le ticket chinois. Le dis-y maintenant, la parole pour ce jour de Malachie 4, du message de Malachie 4. Il y a un Christ pour ce jour. Alors le même esprit viendra sur vous comme confirmation de l'alliance de la semence royale. Comme les deux morceaux qui se rassemblent ici, la parole et l'esprit. Et personne ne peut l'arrêter. Jésus-Christ. On en a parlé dans l'Ancien Testament. Et un jour, un prophète a prophétisé. Ésaïe, un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. Son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Cela a peut-être pris 700 ans, mais oh Dieu, cette parole était là. Un prophète confirmé a prononcé cette parole. Et Dieu a trouvé une petite vierge qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et Christ est né.
Et nous voilà. Il était l'Ancien Testament. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'autre moitié du ticket chinois. Et cela s'accordait parfaitement. Et l'Esprit de Dieu l'a fait accomplir tout ce que l'Ancien Testament a dit qu'il ferait. Alors lui-même, il a appelé ses disciples. Gloire à Dieu. Il a dit à ses disciples, allez dans la chambre haute. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous ressusciterez les morts. Hallelujah, hallelujah. Et ils sont entrés dans la chambre haute. C'était la parole. Et tout à coup, du ciel est venue l'autre partie du ticket chinois. Gloire à Dieu. Et ces deux morceaux sont venus ensemble. Alléluia. Au dernier jour, j'enverrai le même esprit sur Malachie 4, Saint Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7. Pourquoi? Pour confirmer l'alliance, la semence royale d'Abraham. Je vais le confirmer. J'irai, je passerai entre le sacrifice. Cette lumière blanche va passer là. Alléluia. Je vais déverser mon esprit sur Malachie 4. Et il fera tout ce que la Bible a dit qu'il ferait. Et j'enverrai l'onction. Et ces deux morceaux du ticket chinois vont s'assembler. Et ils se sont assemblés. Et Malachie 4 est venu. Pas pour un jugement, mais pour faire retourner le cœur des enfants vers le Père. Alors Dieu, voilé dans un prophète, a dit, je vais avoir des semences d'Abraham. Je veux dire, la semence royale d'Abraham. Et le Saint-Esprit Kinox se déversera sur ses enfants. Et ils ne chancelleront point pendant 25 ans. Et ils, on va les maudire. Ils seront injuriés. On va cracher sur eux. Mais ils vont dire, les sept tonnerres donnent la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, nous allons prier pour les maris qu'ils soient libérés. Peu importe le nombre de démons qui possèdent leur mari. Alléluia. Peu importe combien de démons sont sur les épouses et les enfants, mais le Saint-Esprit est ici maintenant. Ceci est l'autre partie du ticket chinois. Il est ici. Recevez le Saint-Esprit. Ceci est la manifestation qui est l'interprétation. Ceci est l'alliance qui est confirmée pour la semence royale. Le même esprit qui était sur Christ, qui était sur l'Église primitive, qui était sur Malachie 4, est revenu aujourd'hui et il est sur New York City. La confirmation de l'alliance de la semence royale est ici. Gloire à Dieu. Pourquoi est-il ici? Pour que vous receviez le Saint-Esprit. Que vous ajoutiez cette personne. Que vous soyez revêtus jusqu'à la charité. Et la charité est l'autre partie du ticket chinois. Et la charité va s'adapter parfaitement. Et alors, vous aurez une manifestation, une possession permanente. Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi prophétiser la même onction maintenant même. Alléluia. Cette onction est là maintenant pour demeurer de façon permanente. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Et l'Église devra avoir le même esprit qui était dans son corps. Sinon, ça ne s'accordera pas dans la résurrection. Ces deux morceaux doivent s'ajuster parfaitement. Et si ce n'est pas exactement comme le même esprit qui était en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Mais merci Seigneur, il est ici. Ainsi ne prenez pas de risques. Assurez-vous d'être en ordre. Vous pouvez vous joindre à l'église. Vous pouvez venir ici parce que vos parents sont là. Mais vous devez véritablement être né de nouveau. Et Christ doit entrer en vous, la personne du Saint-Esprit. Je termine maintenant. Comme nous devrions être heureux de voir que le même esprit qui était en Jésus-Christ est au milieu de nous.
Le même esprit sur Malachi 4. Il est maintenant au milieu de nous. Regardez les yeux aveugles sourire. Regardez les oreilles entendre. Regardez les muets parler. Et les paralytiques se lever. La mécanique et la dynamique sont ensemble. Oh Lord, yes. Somebody shouting, Lord. Quelqu'un crie, come Seigneur. Viens ici. Somebody shouting, Lord. Quelqu'un crie, come Seigneur. Viens ici. Somebody shouting, Lord. Come by here. Somebody shouting, Lord. Come by here. Somebody shouting, Lord. Come by here. Glory! You're free. Vous êtes libre. How many feel free? Combien se sentent libres? Amen, Rita. Amen, Rita. Tu te sens libre. God has delivered you. Dieu t'a délivré. Oh, time for you to shout, sister. C'est le temps de crier, sœur. Oh, and remember, alors souviens-toi. This is God's grace to us. C'est la grâce de Dieu envers nous. Souvenez-vous. Cette alliance est inconditionnelle. Pas si tu fais ceci, je ferai cela. Ça n'a rien à voir avec ça. Inconditionnel. Amen, frère Carr. Inconditionnel. Gloire, la grâce. Grâce à la pierre de fer. Hallelujah. C'est pas étonnant que j'ai envie de crier. C'est pas étonnant que j'ai envie de courir. La grâce de Dieu pour moi dans les derniers jours. La confirmation de l'alliance de la semence royale. Oh Dieu, oui Seigneur. Somebody's praising Lord, come by here. Somebody's praying Lord, come by here. Somebody's praising Lord, come by here. Oh. Desperate Lord, come by here, hallelujah, somebody's desperate Lord, come by here, somebody's desperate Lord, come by, come by, come by, come by, oh Lord, come by, I need you Jesus, somebody wants the Holy Ghost, come by, hallelujah, somebody wants the Holy Ghost, come by. Somebody wants the Holy Ghost. Come by here, hallelujah. Oh, Lord. Come by here. Oh, somebody wants a refilling, Lord. Come by here. Somebody wants a refilling, Lord. Come by here. Somebody wants a refilling, Lord. Come by here. Oh, Lord. Praying, Lord, come by. I know you're here, Lord. Somebody's praying, Lord, come by. Today's my day, Lord. Somebody's praying, Lord. I know you're coming down my aisle, Lord. Hallelujah. Oh, I'm still praying. Somebody's praying, Lord. Oh, I feel my healing coming, Lord. Hallelujah. Oh, come by. Oh, now somebody's praying, Lord. Come by, stop by here, Lord. Oh, oh, Lord, come by. Oh, somebody's seeking, Lord. Come by here, hallelujah. Somebody's seeking, Lord. Come by here. Oh, somebody's seeking you, Lord. Come by here. Oh. Somebody's praying, Lord, come by, I'll not let go. Somebody's praying, Lord, come by, hey, oh, somebody's praying, Lord, come by, hey, oh, Lord, come by, hey.
Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Don't you love him this morning? N'aimez-vous pas ce matin? Hands and just worship. I will give the glory to Jesus. Adorons-le. Thank him and praise him for what he's done. Je donnerai la gloire à Jésus. We'll give the glory to Jesus. Hallelujah. And tell of his love. Somebody, I love you, brother and sister. Oh.